Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions, pour être là tout simplement en train de voir cette vidéo. Merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle et tu ne sais pas vraiment pourquoi tu es arrivé ici, eh bien, je dois te dire, le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si tu es tombé ici par hasard, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas le trouver, tu vas entendre ce que tu as besoin d'entendre, que ça va te faire du bien et pourquoi pas que ça va te donner envie de revenir sur cette chaîne. Et si c'est le cas, n'oublie pas que pour ne pas oublier la chaîne, tu peux t'abonner et tu as aussi le choix d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications ou pas. Voilà, vous savez tout. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de ton prochain amour. Alors, prochain amour, c'est pour qui? C'est pour les personnes qui n'ont personne en tête, par exemple. C'est pour les personnes qui sont peut-être en couple, mais qui ne sont plus heureux dans leur couple. Pour des personnes qui pensent à quelqu'un, mais qui se disent peut-être que ce serait bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Peut-être qu'ils pensent à quelqu'un et qu'ils se disent, est-ce que ce sera cette personne-là, mon prochain amour? Enfin bon, voilà, c'est vous qui voyez dans quelle situation vous vous trouvez. Mais le but, ça va être d'obtenir une description la plus précise possible de ton prochain amour. On va essayer aussi d'avoir une date de son arrivée, date exacte. Je sais qu'il y a des gens que ça amuse, il y a des gens que ça énerve. Évidemment, on est dans une guidance qui est générale. Les dates exactes, c'est très difficile, même dans les guidances personnalisées. Mais bon, j'ai ma petite technique et pour beaucoup de monde, ça marche. Donc, je ne m'en prive pas. Si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Vous n'avez qu'à pas regarder cette partie-là. Je la mets bien à la fin. Donc, comme ça, ceux qui n'ont pas envie de la voir ne la regardent pas. Bien, donc, on a envie d'en savoir beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ton prochain amour. On va avoir trois options. Donc, on s'y met tout de suite. On prépare les cartes. Alors, regardez. Oh là là, il y a des choses cachées dans cette carte-là. Mais on a ici l'Arcanum. Donc, des cartes extrêmement photographiques. Donc, pour l'option numéro 1, on va utiliser les cartes de l'Arcanum. Alors, on a envie de savoir à quoi ressemble ton prochain amour. Et on va faire avec la technique des paires. Donc, voilà. Alors, ton prochain amour, qu'est-ce que ça va être? Tout ce qu'il faut savoir, en fait, sur lui ou sur elle. Voilà. Ok. Option 2, donc c'est le Heaven and Earth Tarot. Et ici, pour l'option 3, on retrouve nos petites sorcières. Option 3, qui est donc ton prochain amour? Voilà, bien. Alors, maintenant, on va mettre les oracles. On va mettre évidemment notre symbolone qui va avoir une double... double signification, parce que non seulement on va avoir la carte, évidemment, à ce qu'elle représente, mais on pourra aussi cette fois-ci s'intéresser aux signes qui pourraient donner peut-être des informations sur le signe de ton prochain amour. Voilà. Alors, quoi d'autre? On va prendre ici Amira. Amira, Amira, elle veut pas venir, Amira. Voilà, donc le tarot de Love, c'est pas un tarot, c'est un oracle. L'oracle de l'amour d'Amira qui va peut-être donner, parce que dans cet oracle-là, justement, il y a des caractéristiques physiques. Hein, c'était un petit peu ce qui me manquait. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cet oracle quand on me l'a proposé, parce que j'aime bien avoir aussi des cartes de caractéristiques physiques. Alors, maintenant, l'oracle de la connaissance. Voilà. Oracle de la connaissance. On va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous dire sur cette personne, sur ton prochain amour. Ouf, on ne se retourne pas. Ouais, et on se calme, les amis, là.
On est quoi? On est dans un manège. Voilà. Et alors, comme vous avez bien aimé les trois cartes, je vais vous mettre trois cartes à la fin. Donc, vous savez que vous aurez trois questions à la fin de la guidance à vous poser. Par exemple, tiens, est-ce que ce serait cette personne-là? Ou enfin bon, les questions que vous voulez. Mais vous aurez trois réponses à la fin. Donc, je les mets tout de suite. Un, deux et trois. Un, deux. Non, non, non. Et trois. Voilà. Donc voilà, on a déjà les réponses. Ensuite, on va avoir un animal. Donc cet animal va représenter ton prochain amour. Donc tu sais déjà le petit nom que tu vas pouvoir lui donner. Ma chèvre, mon tigre. On va donc avoir un animal pour cette personne. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a tout là. On a pas mal de cartes, on a trois options. Donc ici on va avoir l'option numéro 1, ici on va avoir l'option numéro 2 et enfin on va avoir l'option numéro 3. Bien. Alors, comment choisir dans une guidance interactive avec moi? Beaucoup de manières. 1, 2, 3. Numéro simple, ça marche bien, ça dépend des goûts, ça dépend des personnes. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication les numéros des chapitres, parce que là, on a des numéros à quatre chiffres et ça devrait vous aider, trouver faire des sommes, trouver des dates de naissance, enfin bref. Ça devrait vous parler si vous aimez les numéros. Si ça ne vous intéresse pas spécialement les numéros, vous pouvez choisir avec les chaussures. Si les chaussures ne vous appellent pas spécialement, vous pouvez choisir avec les couleurs des chaussures. Et si les chaussures vous appellent, c'est le moment de les montrer. Alors, pour l'option 1, on a cette bottine qui s'appelle You Animal You, qui est faite en fausse fourrure, j'espère, avec ici du zèbre, du crocodile, et puis je sais pas, du jaguar, du léopard, avec ici une petite fermeture éclair, un beau talon quasiment aiguille et une belle semelle bleue. Franchement, j'aurais pas mis la semelle bleue. J'aurais mis la semelle de la même couleur que le crocodile, par exemple. Je trouve ça fait un peu trop. Mais bon, chacun ses goûts. Alors, maintenant, pour l'option numéro 2, nous avons une chaussure très, tout en douceur, tout en délicatesse. Ça s'appelle Sweet Elegance. Donc, douce élégance. On a une chaussure qui est crème. Avec des petites perles, c'est tout est avec un petit talon qui est très doux, tout est très doux dans cette chaussure, j'aime beaucoup. Et pour la troisième option, on a une mule qui s'appelle Stardust Memory, donc mémoire dans souvenir de poussière d'étoile, avec donc les petits brillants qui bougent ici, plein de petits brillants partout. Voilà, une belle mule pour une belle soirée. Voilà donc nos trois options. Si vous n'aimez pas choisir avec tout ce que j'ai dit avant, eh bien, vous pouvez choisir avec les petits Lenormand. Qu'est-ce que c'est les petits Lenormand? C'est une petite situation que je tire avant chaque option et il faudrait voir si tu te retrouves dans cette petite situation. Donc voilà, vous savez tout. Nous, on va se mettre tout de suite au travail et on va commencer avec la première option. J'ai nommé You, Animal, You. Et on commence, comme je vous le disais, avec un petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne. Messieurs, vous savez que vous êtes bienvenus, mais comme on a une majorité de femmes, je choisis celle-là, le numéro 29. Mais ça ne change pas que vous êtes toujours les bienvenus sur la chaîne, évidemment. Alors, quelle va être la situation que tu traverses actuellement et qui va faire que tu vas te dire, ah ouais, cette option 1, c'est bien pour moi, ça décrit bien ce que je vis. Allons-y. Ok. Alors, ici, on a des fleurs de lys. Et tu regardes les fleurs de lys. On te voit réceptif, réceptive à l'amour. Il y a quelque chose qui. Tu es encore accroché à quelque chose, mais tu ne le regardes plus. On va voir à quoi tu es accroché. Ici, il y a un enfant. Ça peut parler du passé. Ça peut parler d'un amour passé, d'un amour d'enfant, pourquoi pas, que tu as gardé, qui est resté quelque chose d'important dans ta vie. Et ici, on a la maison.
Donc ça va vraiment avec la maison, l'enfant. Alors est-ce que c'est un enfant aussi auquel tu es accroché actuellement, mais peut-être qu'il ou elle a grandi, ou peut-être que pour diverses raisons, il va falloir apprendre à t'éloigner petit à petit, une sorte de cordon ombilical. Mais vraiment, pour moi, je vois vraiment aussi le passé. Le passé, la maison du passé, avec des amours passés auxquels tu es encore accroché, mais on te voit avancer vers la nouveauté et être complètement réceptif ou réceptive à une nouvelle histoire d'amour. Bien, alors si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien c'est le moment de passer au petit Lenormand de la vérité. On va voir qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ce petit Lenormand de la vérité. Voilà. Le petit Normand de la vérité, il va dire si il est d'accord avec ton ressenti en fait. Si mes cartes ont quelque chose à rajouter sur ton ressenti ou si vous êtes complètement d'accord. Alors il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un carrément qui te regarde, qu'on n'avait pas vu ici. Mais on a quelqu'un qui a l'air important ici, hein. Et vous vous regardez, donc tu connais déjà quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour toi et tu as beaucoup d'intérêt pour cette personne aussi. On a le soleil, on a l'impression que tes sentiments, ils sont là, mais que tu ne les acceptes pas vraiment encore. Ils sont comme un petit peu cachés derrière ton dos. On a la clé et on a la lettre. Donc, on a l'impression que la solution à pas mal de choses, elle est dans l'acceptation de ses sentiments. Et pourquoi pas la lettre pourrait être la clé. Avec cette lettre, moi, je sens une expression, une possibilité de s'exprimer, de verbaliser ce que tu ressens, que ce soit positif ou négatif, parce que si tu ne cours pas vers cette personne, c'est qu'il y a peut-être des choses qui te retiennent. Et ça peut être intéressant, même si c'est que pour toi, et idéalement si c'est pour l'autre et que tu peux communiquer avec l'autre personne, mais d'exprimer, d'écrire, voilà moi ce que j'ai, voilà quel obstacle je rencontre. Et on a l'impression d'une lettre, d'une communication qui serait bénéfique et salutaire, en fait. Bon, allons-y, donc il y a déjà quelqu'un potentiellement important, un prochain amour qui est déjà qui se profile. Donc techniquement, toutes les cartes qu'on va sortir ici, eh ben tu devrais dire ah c'était Jules, c'était un tel. Ah d'accord, maintenant je comprends. Voilà. Donc ok, voilà donc à quoi ressemble ton prochain amour. C'est ce qu'on a envie de découvrir. Qui est-il? Qui est-elle? Qui est cette personne? Les trois questions, bah, je vais laisser en dessous comme ça, on ne les verra pas tout de suite. Voilà, je vais voir ça vu du dessus pour voir si c'est bien cadré et on se met tout de suite au travail. Alors, ton prochain amour, qu'est-ce qu'on peut savoir sur lui ou sur elle? Qu'est-ce qu'on va découvrir? On commence tout de suite avec le symbolon. On a ici une confession avec un Sagittaire et un Capricorne. Et on a un ange avec les poissons. Alors, donc déjà, on a trois signes potentiels. Sagittaire, Capricorne, Poisson. Ça ne veut pas dire que obligatoirement cette personne sera un de ces signes-là, mais peut-être qu'il y aura une forte présence dans son thème astral, par exemple, d'un de ces signes. On sent quelqu'un de très doux, de très gentil, de très tendre avec cet ange. On sent quelqu'un qui vient pour t'apporter de la douceur, de la tendresse, de l'amour. Et on sent quelqu'un qui, à mon avis, va réussir à te parler, à te toucher, puisqu'avec cette confession, on sent quelqu'un qui va parler, qui va verbaliser justement ce que je te disais de faire dans cette lettre. Eh bien, cette personne, elle est capable de faire ça. C'est quelqu'un qui est peut-être assez timide, mais qui va quand même être capable d'aller vers toi pour parler de ses sentiments. Alors, on a l'histoire interminable. Tu la connais, cette histoire interminable? Tu es prêt ou tu es prête pour continuer cette histoire interminable? Bon, cette carte, on l'a déjà tirée et je me souviens dans les commentaires qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, bah, bien sûr, l'histoire, elle est interminable. Voilà, c'est une histoire qui est interminable parce qu'elle ne doit pas terminer, en fait, hein. C'est une histoire qui revient tout le temps. Donc, on a cette personne qu'on a l'impression que tu la connais déjà. Est-ce que c'est cet amour de jeunesse qu'on voyait? Est-ce que c'est autre chose, une autre relation, un autre amour qui a peut-être été embêté par cet amour de jeunesse, allez savoir. Mais c'est une relation qu'à chaque fois, on essaye de la terminer et finalement,
Elle ne se termine pas. Et on se demande pourquoi. Parce qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des disputes. Et pourtant, il y a comme une force qui vous rattache à chaque fois l'un à l'autre. Et là, on a l'impression que vous êtes prêt, que cette personne est prête, mais aussi que toi, tu es prêt ou prête pour avancer finalement, pour pouvoir reprendre un peu cette histoire interminable avec cette personne. Tout va dans le sens que tu connais déjà cette personne. Alors, on a le 7 d'or, il y en a le 2 de coupe. Bon, on voit que c'est quelqu'un, c'est ton âme sœur, tu le sais, hein, tu le sauras en tout cas. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement simple, humble et modeste. Avec le 7 d'or, c'est quelqu'un qui vit sa vie de manière tout à fait naturelle, tout à fait simple. C'est pas quelqu'un qui a besoin de paraître, qui a besoin d'être le centre d'attention. C'est au contraire quelqu'un qui va, voilà, c'est la petite routine tranquille, c'est quelqu'un de calme, mais avec qui tu as ou tu auras, ou dans le cas où tu ne reconnaisses pas encore cette personne, une connexion d'âme-sœur. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment se concentrer sur cet amour, sur les petites, beaucoup de petites attentions, beaucoup, beaucoup, beaucoup de comment je vais pouvoir lui faire plaisir, comment je vais pouvoir le ou la toucher, quelle est cette petite chose qui pourrait changer sa journée. C'est vraiment quelqu'un, on a l'impression que tous les jours, il ou elle a envie de faire une petite attention, un petit plaisir, un petit truc pour rappeler, bah, on est des âmes sœurs et on se fait plaisir, quoi, tous les jours. Sympa. On l'attend tous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 9 de bâton et on a le soleil. C'est vraiment pas un aventurier ou une aventurière. C'est quelqu'un qui est plutôt confort. Plutôt, j'ai mon petit train-train, j'ai ma petite vie, tranquille, tu vois, je suis dans ma zone de confort, mais il n'y a pas de mal. On a l'impression, y a tout, dans tous les gens qui parlent, on a l'impression, on dit, ouais, il faut sortir de ta zone de confort. C'est vrai, des fois, il faut sortir de sa zone de confort quand on sent qu'il y a un besoin. Mais on a aussi le droit, de temps en temps, et dans certaines périodes de sa vie, de dire, ben non, moi là, je suis dans ma zone de confort, puis en fait, je suis bien là. Donc là, je vais faire une petite pause dans ma zone de confort, tranquillos, puis je vais y rester, et puis il n'y a pas de mal non plus, il n'y a pas de culpabilisation à faire pour ceux qui restent dans leur zone de confort. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est très joyeux, très lumineux, très solaire. C'est quelqu'un qui transmet le bonheur, en fait, hein, qui est heureux, heureuse, et qui va avoir tendance à transmettre ce bonheur. Donc, c'est un profil tout à fait spectaculaire, moi, je trouve, cette personne. C'est pas quelqu'un sur qui tout le monde va flasher dans une soirée, parce qu'on est vraiment sur quelqu'un de modeste, sur quelqu'un qui brille à l'intérieur. Et qui, devant les autres, les gens diront, bon, oui, bah, c'est une personne de plus, quoi. Comme ils disent ici, commune. Ce mot-là m'amuse beaucoup, commune, parce que ça veut dire commun, non? Normal, quoi. Et ça m'amuse parce qu'ici, c'est pas la spécialité, le fromage. Et donc, quand tu vas dans une fromagerie, on te demande quel fromage tu veux, et tu dis queso commune, et tout le monde comprend. Donc, le fromage normal, c'est le fromage qui se coupe en tranches pour mettre dans un sandwich. Et voilà. Voilà. Donc en gros, c'est une personne comme le queso commun. C'est une personne que quand tu la vois, tu te dis, bon, c'est bon, normal, quoi, c'est rien d'extraordinaire. Et pourtant, cette personne, elle a l'air vraiment extraordinaire. Elle est solaire, elle est gentille. C'est un ange tombé du ciel quasiment. Et on comprend que ce soit une histoire interminable. Alors là, merci de me le dire, parce que depuis tout à l'heure que je dis, on a l'impression que c'est une personne que tu connais déjà, on a l'impression que c'est une personne que tu connais déjà, et on nous dit, ah non, c'est un nouvel amour. Merci. Nouvel amour, nouvelle personne, une personne que tu ne connais pas encore. Bon, on retourne tout là. Ok, bon, bah, dans certains cas, ce sera donc ce nouvel amour, mais à ce moment-là, pourquoi l'histoire interminable? Si on retourne tout, on va dire ok, donc on annule tout, c'est une nouvelle personne, donc c'est une histoire qui durera pour toute la vie, hein, puisque c'est l'histoire interminable, c'est une histoire qui ne terminera pas et qui continuera pour toute la vie. Eh bien, vous avez choisi la bonne option, l'option numéro 1. On a une alchimie, on a des sentiments passionnés et on a la passion. Donc, non seulement il y a de l'amour, il y a de la douceur, il y a de la tendresse, mais en plus, physiquement, ça se passe
extrêmement bien. Donc vraiment, vous avez tout. On sent que c'est pas n'importe quel amour. Je sais que dans certaines guidances, j'ai fait ton prochain amour et c'était pas folichon. C'était genre, ouais, bon, bah, c'est un amour qui va venir, mais bon, limite que dans peu de temps, quoi, ça va pas durer très très longtemps. Et il y en a forcément, il y en aura peut-être dans les autres options. Mais celui-là, non. C'est vraiment une option qui est faite pour durer. Ça y est, vous êtes prêt pour que votre histoire soit pour la vie, en fait. Et voilà, une histoire pleine de passion, pleine de waouh, 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 waouh. Alors, on va prendre nos petites questions parce que vous aurez certainement des questions. Mais d'abord, on va voir quel animal est cette personne. Ouh, regardez comme il est beau ce petit chat. Oh, il est extra. C'est un 2 d'automne. Et voilà, regardez les yeux du chat. Vous allez craquer, hein. Alors, c'est un chat abyssinio. Donc, ça, je ne sais pas quelle serait la traduction. Mais bon, on va le dire en francisé, abyssin. Alors, le chat abyssinio. Et on te dit. C'est possible que tu te retrouves sous beaucoup de stress à cause de tous les emplois que tu dois faire ou toutes les responsabilités auxquelles tu es en charge. C'est important que tu arrives à trouver l'équilibre entre ton travail et ta vie personnelle et que tu essayes de maintenir l'esprit de diversion, d'amusement. Il faut que tu continues de t'amuser dans tout ce que tu fais, comme ce chat avec ses deux pelotes de laine, qui a l'air de s'amuser beaucoup. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, avec ce 2 d'automne, mais c'est aussi quelqu'un qui va réussir à jongler entre ses responsabilités et puis les bons moments, etc. Donc, voilà, vous savez que ce sera mon petit chat, son surnom, puisqu'on a notre chat, mon petit chat abyssin, vous pourrez l'appeler, et puis voilà. Alors, maintenant, on va avoir nos réponses. Vous allez pouvoir poser trois questions. Vous savez que vous avez tout votre temps pour les poser, ces questions. Donc, mettez en pause et réfléchissez bien à vos questions parce que nous, on va aller très vite pour dire les réponses. Donc, on commence avec la réponse numéro 1. Bien sûr, évidemment, il n'y a même pas de questions à se poser. Numéro 2, ça ne va pas aller vite. On va même dire que ça va aller lentement. Réponse numéro 3, oui, vous avez gagné. Vous avez gagné le oui. Parce que des oui, il n'y en a pas énormément. Je crois qu'un oui comme ça, rouge et crème, il n'y en a qu'un. Donc bravo, vous avez le oui, vous avez la sécurité et vous avez la lenteur. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Alors maintenant, c'est bien, on sait tout ça, mais on a envie de connaître la date. Mais quand arrive cet amour, ce prochain amour qui a l'air d'être un amour pour toute la vie? On veut savoir quand, on veut savoir s'il va falloir attendre encore longtemps ou si au contraire, ça y est, ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est parti, on veut savoir tout ça. C'est pour quand qu'il arrive cet amour? Est-ce que c'est pour des jours, la maison Dieu, des semaines, le fou, des mois, la force? Aucune carte que nous ayons eue, donc on n'a pas de favori. La maison Dieu, le fou. La force, évidemment, je suis dans l'ultime maison Dieu. La maison Dieu, le fou, la force, c'est parti. Non, 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 non. Sauf si toi, t'en es un. Non, l'empereur, on sait que c'est quand même quelqu'un d'important qui arrive. La maison Dieu, le fou, la force, c'est parti. Le fou! Le fou, le fou, le fou. Ça fait des semaines. Bon, c'est quand même moins que si c'était des mois, donc c'est une bonne chose. Alors, combien de semaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semaines pourrait arriver cette âme sœur. On va voir l'autre partie de la fourchette. C'est parti, c'est parti. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, non, 11, 12, 13, ok, 13. 6 à 13 semaines pour l'arrivée de ton âme sœur, de cette personne qui va rester
pour toujours de cette histoire interminable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problèmes, mais on ne les voit pas trop quand même. On voit quelque chose de nouveau, de frais, de beau, de lumineux, et ça fait drôlement, drôlement plaisir. Bon, eh bien, j'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup de personnes qui se seront retrouvées, qui jugeront être les propriétaires de cette guidance et pour qui, évidemment, cette personne va arriver bientôt. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, si ça vous a fait du bien, si vous avez passé un bon moment, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Alors, nous, on va continuer et on va passer à l'option numéro 2, j'ai nommé Sweet Elegance. Qu'est-ce qui se passe avec Sweet Elegance? On va commencer par le petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. Et 4. Alors, petit Lenormand, c'est parti, on y va. Alors, on a des petits rats ici. On a aussi une cigogne. Et là, c'est toi. On a l'impression que tu es dans un moment de ta vie, ou peut-être dans ta vie amoureuse, ou peut-être dans un autre domaine de ta vie. Il y a comme des allers-retours, non? C'est pas très stable tout ça, et c'est quelque chose qui crée évidemment des angoisses, des stress. Derrière toi, tu as la maison et tu as le secret. Un secret dans la maison? Quel est ce secret? Est-ce que ta famille, tu sens qu'il y a un secret auquel tu n'es pas convié? Ou est-ce que c'est toi qui ne dis pas tout à ton entourage proche ou à ta famille? Ou la maison peut aussi représenter matériellement la maison, oui, qui est une chambre secrète dans la maison, je ne sais pas. Mais on a l'impression qu'il y a un secret dans cette maison. Bon. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, ça va être le moment de passer au petit Lenormand de la vérité. On va voir s'il ressent les mêmes énergies que toi dans ta situation ou s'il y a des énergies en plus à ajouter. Alors, c'est parti, petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Non. Ouais. Alors, trèfle à quatre feuilles, comme c'est joyeux. La clé, on a la solution qui arrive et la chance va te la donner. Le problème, c'est que tu ne vois pas encore avec les nuages. Ouf, alors tu es loin encore. Ici, on a la tour et là, c'est toi. Bien. La solution va arriver. La chance sera de ton côté et elle va te trouver la solution. Le problème, c'est qu'il va falloir encore attendre un petit peu. Ce temps peut être jugé comme long, comme pénible, comme difficile. Tu te sens un petit peu isolé, tu te sens un petit peu seul au monde pendant que tu attends. Et surtout, tu ne vois pas cette solution qui arrive. Donc, c'est encore plus déprimant parce que on a même du mal à y croire que cette situation, que cette solution va arriver. Et pourtant, si. Elle arrivera. Il faut faire un peu acte de foi, de se dire oui, ça va arriver, même quand on ne le voit pas. Bien, maintenant, ce qu'on veut, c'est parler de ton prochain amour. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ton prochain amour? On y va tout de suite. Tac, tac, tac. On aura nos questions. Ok, je vois ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ton prochain amour? On commence tout de suite avec le Symbolon. Alors, ici, on a les deux types de femmes, la femme mère, la femme plus coquette, mais qui finalement n'en forme qu'une. Et on a le cancer et le taureau. On a ici un croisé donc avec le bélier et le sagittaire. Bon, ça nous fait déjà quatre signes potentiels, hein, cancer, taureau, bélier, sagittaire. On sent que c'est quelqu'un qui est multifacétique. C'est quelqu'un qui est capable d'être à la fois très doux, très gentil, très chaleureux et en même temps de briller, de se montrer, de lutter aussi pour ses idées. C'est quelqu'un d'assez fort, d'assez intense et avec de multiples facettes. Intéressant, personnage intéressant. Alors, fais le ménage, d'accord.
Le penseur. Donc, on voit que c'est quelqu'un, à mon avis, qui est capable de rester pas mal de temps un peu passif, non, à observer. On n'a pas l'observateur, mais on a le penseur. C'est quelqu'un qui réfléchit sur lui-même ou sur elle-même. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas emporter. C'est-à-dire qu'ici, on a le croisé qui va pour se battre pour ses idées, mais avant d'aller se battre, cette personne, elle a réfléchi, elle a agi de manière rationnelle, elle a réfléchi avant d'agir. Alors, faire le ménage, pourquoi pas? C'est peut-être quelqu'un d'un petit peu maniaque, quelqu'un qui aime bien que tout soit propre et qui aime bien faire le ménage dans le sens le plus simple du terme. Et sinon, ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de faire le ménage dans sa vie, donc de se rendre compte des situations toxiques, des personnes toxiques, des choses toxiques de sa vie et qui est en train de tout nettoyer. Alors, quoi d'autre? On a un pendu. Et on a le monde. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est extrêmement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger, puisqu'on a le monde est très ouvert sur l'étranger. C'est quelqu'un qui vraiment peut briller, mais alors, vraiment, vraiment. C'est quelqu'un qui est extrêmement capable, qui a beaucoup de qualités, qui brille facilement. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de le faire. C'est-à-dire qu'elle a la possibilité de le faire, mais c'est quelqu'un qui voit la vie sous un autre angle. Donc, quand tout le monde dit, bah attends, tu pourrais faire ça, ou m'intéresse pas. Avec le pendu, on pourrait sentir que cette personne est bloquée. Peut-être aussi que cette personne a certains blocages. Mais d'un autre côté, avec ces blocages, on a aussi une vision plus intéressante, une vision différente de la vie en général. Donc, c'est un personnage charismatique, mais qui se la joue pas. Et qui va vraiment te montrer la vie sous un nouvel angle. Bon. Ici, on a le 4 de coupe et la princesse d'épée. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu des soucis dans sa vie, qui ont laissé certaines traces. C'est quelqu'un qui peut avoir de temps en temps tendance à déprimer avec le 4 de coupe, à ne pas voir le verre à moitié plein. Et c'est très probablement dû à cette princesse d'épée. Donc ça peut être une mère, ou évidemment tout peut être mis au masculin, une mère qui aurait été trop dure, qui ne lui aurait pas donné assez d'amour. Ça peut être aussi une sœur un peu tyrannique, évidemment grand-mère, oncle, tante, etc. Mais évidemment, ça peut être une histoire d'amour passé qui a laissé des marques et qui fait que c'est une personne qui a ses moments de spleen, qui a ses moments de déprime. Alors, ici, on a le travail, donc avec la profession, l'université ou sur le lieu de travail. Alors, on a l'impression que c'est sur le lieu de travail que vous allez vous rencontrer, soit sur ton lieu de travail, soit sur son lieu de travail. Et on voit qu'il y a des obstacles. Je crois que c'est la première fois qu'elle sort, celle-là. Blocage, chemin, retard. Donc, ce n'est pas quelqu'un avec qui les choses vont aller très très vite. On voit qu'il y a des choses qui bloquent. Très probablement par rapport à des expériences et des mauvaises expériences que cette personne a pu vivre. C'est pour ça que cette personne qui était peut-être très spontanée, très directe dans le passé, va avoir tendance plutôt à se mettre en recul, à observer, à faire son petit ménage petit à petit. C'est pas quelque chose de rapide. C'est vraiment quelqu'un qui veut voir qu'est-ce qui va aller, à quel. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui doit partir? Et ce n'est pas quelqu'un qui va se précipiter. Mais je pense que si vous arrivez petit à petit à dépasser, à surmonter chaque obstacle un à la fois, vous aurez une relation qui sera très très jolie. Alors, quel animal on va avoir? Ici, on va sortir nos trois questions. Et ici, on a encore un chat. Décidément, on est dans les chats et c'est un 6 d'hiver. Qu'est-ce qui se passe avec notre 6 d'hiver? C'est une carte de voyage. Donc, encore une fois, ça va bien avec le fait que cette personne pourrait être un étranger. Étranger, c'est pas forcément d'une autre nationalité. Ça peut être d'une autre ville aussi, d'un autre village même. Et alors, ce chat-là,
Ça va très bien avec le fait que je disais que c'est un chat qui a été un peu traumatisé. Parce que qu'est-ce qui lui est arrivé à ce chat? C'est un chat qui est un mélange de races distinctes, donc métis, très probablement métis. Non, actuellement, on est presque tous métis, hein, c'est difficile d'avoir des personnes. Mais bon, on a quelqu'un qui est plutôt un mélange de nationalités, de cultures. Mais ce chat, il a été abandonné. À un moment. Donc on sent qu'il y a eu, alors ça peut être quelqu'un qui est orphelin, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a été abandonné en amour, mais c'est peut-être quelqu'un qui a été abandonné sur d'autres aspects. Et il a été abandonné, mais après il a été rescatado, sauvé, quoi, il a été récupéré. Donc c'est un chat qui a vécu des choses qu'on souhaiterait à aucun chat, mais qui après retrouvait quand même des gens bien, qui se sont rendus compte que ce chat aussi avait le droit d'avoir de l'amour. Alors, on te dit, tu arrives à la fin des temps difficiles, hein, et maintenant, tu vas pouvoir respirer et même soupirer de soulagement. Laisse derrière toi le passé et profite des moments heureux qui vont bientôt arriver. Donc voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu des moments très difficiles. Et maintenant, les moments heureux, ils sont pour vous, donc ça tombe bien. Alors maintenant, vous savez que on va avoir trois questions. Dans ces trois questions, vous pouvez dire est-ce que c'est Maurice, est-ce que c'est un tel. Vous pouvez poser la question que vous voulez en fait, et nous, on va découvrir les réponses. Donc n'oubliez pas de mettre en pause parce qu'on va découvrir les réponses assez vite. Question numéro 1, quelle est la réponse? Pas encore. Ça ne veut pas dire non, ça veut dire pas encore. Alors, réponse numéro 2, on a patience. On a vu qu'avec cette personne-là, il allait falloir de la patience. On a un chat qui a été abandonné, qui est après sauvé. Mais ces chats, quand on les récupère, c'est le typique, quand on les voit, ils sont... Ils veulent pas, parce que, bah, parce qu'ils ont été maltraités des fois, parce qu'ils ont été lâchés et qu'ils redeviennent un peu sauvages. Et il va falloir l'apprivoiser. Alors... qu'est-ce qu'on a pour la troisième question? Probablement. Voilà, on est dans le... on va pas te donner des réponses trop boum boum, mais prends ton temps, ça va se faire. C'est pas pour tout de suite, patience et probablement. Voilà. Alors, cette personne multifacétique, passionnante, mais qui a quelques... qui a vécu des choses un petit peu difficiles, qu'il va falloir soigner, qu'il va falloir guérir. Je ne dis pas que ce soit toi qui dois guérir cette personne, mais c'est cette personne qui va devoir se guérir aussi. Quand est-ce qu'elle arrive dans ta vie? Est-ce que c'est des jours avec le pendu? Tiens, on en a un pendu. Hein. Est-ce que c'est des semaines avec le diable? Est-ce que c'est des mois avec la roue de fortune? On y va. Le pendu... le diable et la roue de fortune. Évidemment, je suis dans le team pendu. Alors, le pendu, le diable, la roue de fortune. On y va. Aïe! Non. Le pendu, le diable, la roue de fortune. C'est parti. Bon. Ok. On y va. Pendu, diable, roue de fortune. Qu'est-ce que je vous ai dit? Team pendu, gagné. C'est des jours. Jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans 7 jours, une semaine, pourrait arriver cette personne avec qui il va falloir avoir un peu de patience. Donc, 7 jours pour le pendu. On va voir l'autre partie de la fourchette. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ok, entre 7 et 13 jours, c'est quand même pas mal. Donc voilà, pour l'arrivée de cette personne, ton prochain amour, voilà. Une personne intéressante. On n'est pas forcément sûr que c'est quelqu'un qui sera là pour toute la vie, mais c'est quelqu'un qui va certainement te faire du bien et tu vas lui faire du bien aussi. Et c'est déjà très bien comme relation. Bien, alors j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura fait du bien, que vous aurez même passé un bon moment. Si c'est le cas, eh bien, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et que vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà.
Alors, nous, on range, on finit de ranger tout ça et on va partir avec notre dernière option. J'ai nommé la chaussure souvenir de poussière d'étoile et on y va. C'est parti. Ok. Voilà, alors dans cette situation du petit Lenormand, idéalement, il faudrait que tu te retrouves. On va voir si tu vas te retrouver dans cette situation ou pas. Alors, ici, nous avons un cercueil. Ici, nous avons une cigogne, un bateau, une lettre. Et là, c'est toi. On a l'impression que tu as appris une nouvelle. Une nouvelle qui vient de loin en fait, hein. Évidemment, l'interprétation la plus simple, ce serait d'avoir appris la mort de quelqu'un que tu voyais comme ça de temps en temps. Mais c'est un peu dur comme interprétation parce qu'heureusement, on n'apprend pas la mort de quelqu'un tous les jours. Mais on peut apprendre que quelqu'un qui nous plaisait, qui nous intéressait ou avec qui il y avait de temps en temps des relations, avec qui on avait peut-être des contacts, ça a l'air quand même assez lointain. On a la distance physique avec le bateau et aussi avec la mouette. Une mouette, c'est une cigogne. Mais on a l'impression que cette relation, en fait, elle se termine avec ce cercueil. On a l'impression que c'est la fin d'une communication peut-être à distance, d'une relation à distance, et que voilà, tu viens de l'apprendre, cette personne te dit, écoute, ça va, là, maintenant c'est plus possible, on n'y arrivera plus. Donc voilà, c'est la sensation que j'ai dans dans ce petit Lenormand. Maintenant, si tu t'es retrouvé plus ou moins dans ce petit Lenormand, on va voir le petit Lenormand de la vérité et on va voir les énergies que mes cartes ont envie de rajouter à ta situation, ce qu'elles ont envie de dire sur cette situation. Alors, petit Lenormand de... Oups! Allez, on commence. La vérité. Alors, on voit qu'il y a des chemins, on voit que tu as des choix, mais ces choix, tu ne les regardes pas trop. Ou alors, tu as déjà pris des décisions. Tiens, ici, on a donc une personne qui est sortie. Vous ne vous regardez pas et on a l'impression que vous avez même fait le choix de vous éloigner. Cette personne a l'air d'être justement le tombeau. Cette personne n'a pas l'air d'être particulièrement heureuse de cette situation, mais on a la faux et on a l'impression que c'est... Est-ce que cette personne a vraiment voulu terminer? On a cette sensation-là, puisqu'on a l'impression que la faux, c'est lui ou elle qui la tient. Et même si ça n'a pas l'air d'être une carte très joyeuse, on a l'impression que la décision vient de cette personne. Donc, en gros, je trouve que les deux petits Lenormand correspondent énormément. Bien. Maintenant, on a envie de parler de ton prochain amour parce qu'il est un peu triste, hein, ce petit Lenormand de la vérité. Donc, on a envie de voir, mais qu'est-ce qui vient de nouveau? Qu'est-ce qui vient de joyeux dans toute cette histoire? Donc, voilà, on veut connaître ton prochain amour. Je vois ça vu du dessus et au travail. Alors, on y va donc. Qui est ce prochain amour? On va découvrir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le maître Capricorne. Et ici, on a le mariage forcé. Youhou! Donc, on a le scorpion avec la balance. Comment je peux voir ça? Deux manières. D'abord, ça peut être quelqu'un avec qui les gens ont envie de te mettre. Donc, même si il n'y a pas forcément un mariage forcé d'organiser, ça peut être cette personne qu'on dit toujours, ah, mais tu sais, je t'ai parlé de ce copain qui est super pour toi. Et tu te dis, mais zut, quoi, qu'est-ce qu'ils veulent absolument me caser avec cette personne? C'est pas quelqu'un que tu as forcément envie de connaître initialement. Mais finalement, quand tu la connais, tu te dis, bah, en fait, ouais, bah, je pourrais m'entendre avec cette personne-là. Donc, ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que c'est quelqu'un qui est actuellement en couple avec quelqu'un, mais c'est pas du tout par choix ni par plaisir et ça se passe pas très très bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être cette personne a peut-être un de ces signes, donc Capricorne, Balance et Scorpion, mais ça a l'air d'être quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement studieux, extrêmement. Voilà, il y a comme une puissance dans ce maître Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur ton prochain amour? C'est parti. La paix, ça c'est agréable. Le Yang, ok.
On a l'impression que c'est quelqu'un qui est capable d'être créateur, d'avoir cette force créatrice, cette puissance du yang, mais qui en même temps a une sérénité, une paix, une douceur de vivre. Donc c'est un très bon compagnon ou une très bonne compagne, parce que il y a le côté je me bouge quand même, parce que quand il y a que la paix, on peut tomber dans la paresse, dans la, comment ça s'appelle quand on fait rien, l'inactivité, la, non, il y a un autre terme, mais juste évidemment ça me vient pas. Bref, on peut avoir cette espèce de défaut qui vient avec la paix, de dire ouais bon d'accord, ça bouge pas quoi, donc on va jamais bouger, il y aura jamais rien qui se passera dans notre vie que juste la paix, cool quoi, on est en méditation toute la journée mais il se passera rien. Non, alors, on a quelqu'un qui a la paix, mais en même temps, cette personne, elle a le dynamisme, elle a la force de volonté, elle a la puissance créatrice, donc c'est quelqu'un, à mon goût, qui est très intéressant parce que ça permet de faire des plans, de faire des projets, d'avancer, mais en même temps de manière sereine et pacifique. Sympa. Alors, quoi d'autre sur ton prochain amour? On a un 6 de coupe et un 4 d'or. Bon, on a l'impression là que c'est quelqu'un que tu as connu dans le passé, mais qui ne t'a jamais rien dit. Pour moi, hein, c'est quelqu'un, ou alors que c'est quelqu'un que tu connais par tes enfants ou tes petits-enfants, mais qui n'exprime pas du tout ses sentiments. Et pourquoi? Bah, vous le voyez, le vieux maître, là, vous le voyez en train d'exprimer beaucoup ses sentiments. Non, il peut vous faire un cours de je sais pas, de mécanique quantique, de j'en sais rien de quoi, mais enfin, on sent que cette personne, elle est plus spirituelle et intellectuelle que émotionnel. Donc, pour exprimer ses émotions, ça va être compliqué. Donc, je pense que c'est quelqu'un que tu connais peut-être depuis plusieurs années, carrément, mais qui n'a jamais rien laissé transparaître. Je ne montrerai rien, tu ne sauras jamais que je t'aime. Bon. Ça fait penser à Bourvil. Alors, je ne sais pas dans quel... C'est un souvenir très lointain que j'ai d'une chanson de Bourvil qui chante « Non, tu ne sauras jamais, ô toi qu'en secret j'adore, si je t'aime ou si je te hais. » Et voilà, je ne sais pas parce que j'ai entendu cette chanson-là quand j'avais genre 8 ans, dans un téléfilm que je regardais avec mon maman. Donc, je ne sais pas du tout, je ne sais même pas dans quel film c'est. Mais en gros... Cette personne-là, c'est Bourvil, qui chante « Que tu ne sauras jamais, ô toi qu'en secret j'adore, si je t'aime ou si je te hais ». Voilà. Si vous connaissez le film, je suis preneuse dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? On a le 7 de bâton et on a le pendu. Ok. On sent que c'est pas quelqu'un qui est forcément dans le moment le plus simple de sa vie. Avec le 7 de bâton, on semble au contraire que, limite, le monde est contre lui ou contre elle. Donc, cette personne, elle a beaucoup de chats à fouetter en ce moment. Beaucoup de gens qui l'attaquent, beaucoup de gens qui le ou la jugent, qui lui disent « c'est pas bien, faut pas faire ça, gna gna ». Et quelle est sa réaction à cette personne? L'immobilité. Le zen. Je vais me retourner, je ne réagirai pas. Voilà. Vous voulez m'attaquer? Vous ne pouvez pas faire grand-chose, en fait. On sent quelqu'un qui est assez imperméable aux critiques, mais qui ne va pas non plus être... c'est pas quelqu'un qui va tout d'un coup se battre, devenir agressif ou vouloir s'exprimer. Non, on a quelqu'un qui est plutôt à l'intérieur de soi. Et voilà, bon, ben je ne ferai rien. Alors, quoi d'autre? Voilà, bon, on avait déjà cette sensation depuis le début, hein, que c'était quelqu'un qui était très spirituel. Donc là, on a carrément l'expansion de l'âme, la croissance spirituelle, l'apprentissage. Et on a l'amitié. Donc, amitié, réseaux sociaux, des gens qu'on connaît. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est un ou une amie. Que tu as depuis un certain temps et que tu pourrais même pas imaginer en fait que cet ami pourrait devenir ton prochain amour, et pourtant. Donc réfléchis à tous les amis, tous les amis que tu as, là c'est le moment de faire tous les noms. Alors est-ce que ce serait machin, est-ce que ce serait Maurice, j'en sais rien, qui est-ce? Alors, petit chat, qu'est-ce que tu nous dis?
Je me suis dit, est-ce qu'on va avoir encore un chat? Mais non, nous avons ici un perroquet. Alors, c'est un 8 d'automne. 8 d'automne, c'est un 8 d'or. Donc, le 8 d'or, c'est la carte des artisans et du travail bien fait. Donc, c'est possiblement un artisan, quelqu'un qui aime son travail et qui le fait avec goût. Et cette personne, vous pourrez l'appeler mon petit perroquet parce que cette personne est représentée, ce prochain amour est représenté par le perroquet. Et on te dit, c'est le moment parfait pour apprendre tout ce que tu pourras. Ça tombe bien parce qu'on sent qu'il y a de l'apprentissage, hein, ici avec apprentissage. Alors, tu peux t'inscrire dans un séminaire, reprendre des études ou même diriger toi-même une recherche. Fais le travail le mieux possible et la loi de l'attraction te donnera la prospérité et des progrès dans ta carrière. C'est vraiment cette personne. Cette personne a fait tout ce qu'elle peut le mieux possible. Et voilà, c'est quelqu'un d'assez sobre. C'est quelqu'un qui est vraiment très résilient. Parce que si on remarque, hein, on voit quelqu'un qui est plutôt avec quelqu'un qui lui plaît pas et qui tolère, qui accepte. On voit quelqu'un qui aurait plutôt des sentiments depuis longtemps, mais qui va rien montrer. On a quelqu'un qui va même recevoir des attaques, mais qui va pas réagir. On est vraiment dans une plante qui pousse dans la sécheresse totale, quoi. Résilience 100%. Alors, cette personne, vous aurez certainement des questions sur lui ou sur elle, et les voilà les réponses. Vous savez que vous avez tout votre temps pour poser vos questions, alors prenez-le, mettez pause, pensez bien chaque question qu'elle va être, parce que moi je vais très vite pour dire les réponses. Donc, réponse à la question numéro 1, c'est compliqué. Ne crois pas que tu vas y arriver d'un coup, il va falloir tourner, c'est compliqué. Réponse à la question numéro 2, on te dit carrément, ça vaut pas la peine. Alors, je sais pas quelle était la question, mais là, on est carrément très clair, ben, ça vaut pas la peine. Alors, réponse à la question numéro 3, eh bien, plus tard, dans un moment, voilà, dans un moment, ça pourra peut-être se faire. Voilà donc les réponses aux questions. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce que tu vas rencontrer. Alors, rencontrer, on a l'impression que tu l'as déjà rencontré, mais quand est-ce que tu vas t'en rendre compte que c'est cette personne-là? On va voir ça tout de suite. Est-ce que c'est dans des jours, avec la mort, des semaines, avec le monde et des mois, avec la tempérance? Alors, la mort, le monde, la tempérance. C'est parti. Bon, alors, on va voir s'il y en a. Non. La mort, le monde, la tempérance. La mort, le monde et la tempérance. Le monde, la mort, le monde. Donc, on a des semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Ça va être long quand même pour s'en rendre compte. Hein. Donc, avec le monde, c'est 7 semaines. On va voir l'autre partie de la fourchette pour ce prochain amour. Alors, c'est peut-être que dans 7 semaines commencera l'amour entre vous aussi. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on a quelque chose de précis quand même. 6 à 7 semaines pour que ce prochain amour puisse vraiment commencer à exister vraiment, autre que dans la tête de cette personne-là, en gros. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette dernière option. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que vous aurez surtout reconnu ce personnage, cette personne assez spéciale, assez résiliente, assez passionnante avec ces deux cartes-là aussi. Et déjà, l'avoir identifié, ben, ça aidera évidemment par la suite. Donc, j'espère que vous l'aurez découverte. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.